Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler des atouts et des avantages d'être bilingue et multilingue, notamment dans le cadre personnel. Avant de commencer la vidéo, ne t'oublie pas d'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos que je sors et aussi d'activer la cloche de notification. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est quels sont les atouts, les avantages d'être multilingue. Donc c'est parti! Dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs points à propos de ce sujet pour vous expliquer différents arguments à propos de cette question. Comme vous le savez, parler plusieurs langues offre de nombreux avantages dans le plan professionnel et scolaire, donc travail et études, et aussi dans le plan social, donc ouverture d'esprit, culture, des nouvelles rencontres, etc. Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement dans le plan personnel. Dans la première partie de la vidéo, on va voir les avantages à être multilingue sur le plan personnel. Premièrement, l'avantage le plus évident du multilinguisme est la capacité communicative. Le fait de savoir parler plusieurs langues offre aux personnes la possibilité de vivre des expériences plus riches dans le plan culturel et traditionnel. Deuxième atout, une plus grande flexibilité neurocognitive. En fait, il y a de nombreuses études qui prouvent que les personnes qui parlent plusieurs langues ont des meilleures capacités en termes de tests d'analyse, de créativité et de flexibilité mentale par rapport aux personnes qui parlent une seule langue. Donc en fait, ces personnes obtiennent des meilleurs résultats dans les tests d'analyse, créativité et flexibilité mentale par rapport aux personnes qui du coup parlent une seule langue. Aussi, petite chose à savoir, le fait de basculer régulièrement et très rapidement d'une langue à une autre est une stimulation mentale très intense qui du coup permet aussi le bon développement du cerveau. Exemple, un enfant qui parle plusieurs langues dès très petit aura une aisance beaucoup plus facile à résoudre des problèmes, à lire et à apprendre qu'un enfant qui parle seulement une seule langue. Troisième atout, la recherche prouve aussi que le fait de parler plusieurs langues a un impact aussi sur le vieillissement. Par exemple, les personnes âgées qui parlent plusieurs langues, elles sont beaucoup moins susceptibles de développer des symptômes de démence sénile. Démence sénile, qu'est-ce que c'est? En fait, elle est générée par plusieurs maladies neurodégénératives. Donc, ce sont en fait des maladies, des troubles, des symptômes qui affectent le cerveau. Donc, ça ralentit des maladies comme Alzheimer. Quatrième atout, le cerveau bilingue, multilingue, se laisse également moins distraire. Et l'apprentissage des langues étrangères améliore aussi la créativité. Cinquième atout, on sait également que quelqu'un qui parle une ou plusieurs langues, elle est donc plus à l'aise pour apprendre d'autres langues. Donc il est plus facile pour une personne qui sait déjà parler quelques ou plusieurs langues pour en apprendre une autre. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Le mythe de parler plusieurs langues est présent dans certains pays. Pour répondre à cette deuxième partie du sujet, je vais vous poser une question. Et pour cette question, le cas c'est un enfant qui est à l'école primaire ou bien au collège. Donc la question c'est, cet enfant, il parle plusieurs langues. Est-ce que parler plusieurs langues peut lui porter préjudice à l'école? En fait, je ne vous cache pas que c'est une question qui a pas mal de fausses idées dessus, des mythes. Le fait de parler plusieurs langues, certaines personnes pensent que ça peut porter préjudice, tels que les parents par exemple, les parents qui viennent migrer dans un nouveau pays notamment, et les professeurs. Donc je vais être plus précise. En fait, un enfant qui parle plusieurs langues, ça ne peut pas lui porter préjudice à l'école. Au contraire, donc c'est faux. Certains professeurs s'inquiètent de l'apprentissage des élèves à l'école, car ces enfants-là, ils parlent plusieurs langues. Donc le fait de parler plusieurs langues à l'école, les professeurs s'inquiètent de leur apprentissage à l'école, puisqu'ils parlent beaucoup de langues, parfois ça peut être compliqué, de penser au bon verbe, ne pas mélanger avec l'autre langue, bref. Voilà les idées. Un autre cas aussi, il y a beaucoup de parents quand ils s'installent dans un nouveau pays étranger pour améliorer la condition de vie ou autre, ils ont leur langue maternelle. Et donc quand ils sont dans un nouveau pays, à la maison bien sûr, ils parlent la langue du pays parce qu'au début ils ne savent pas parler la langue du pays actuel. Mais il y a beaucoup de parents, une fois que l'enfant il sait parler la langue du pays dans lequel ils sont installés, les parents ne préfèrent pas, ne veulent pas parler avec eux la langue maternelle afin de ne pas porter préjudice à l'école, pour que les enfants ils puissent apprendre rapidement, ne pas faire confusion et pour pas que ça puisse pénaliser leur apprentissage. Or, c'est une chose qu'il faut totalement pas faire, c'est tout le contraire. Il y a plein de parents
quelle que soit l'origine. Je prends un exemple, des Espagnols qui habitent, je sais pas moi, en France. Et donc l'enfant, il est là, il sait déjà parler le français. Eh bien, il y en a plusieurs, ils savent plus parler l'espagnol. C'est un exemple. Il y a plusieurs, ils savent plus parler la langue maternelle. Genre, ils comprennent, mais pour parler, ils ne parlent pas. Donc, c'est grave quand même. C'est quelque chose de très grave. Ça, ce sont des fausses idées et c'est tout le contraire. Le fait de parler plusieurs langues, ça va les aider plus tard vraiment à stimuler leur cerveau, à aller plus vite, à apprendre plus vite, à être plus concentré, à faire beaucoup de choses en même temps, etc., etc. Il y a beaucoup d'avantages. Donc, évidemment, tout cela, c'est faux. Ces idées-là des professeurs et surtout des parents, c'est faux. Au contraire. En plus de ça, comme je vous ai dit, c'est prouvé scientifiquement par des études que parler plusieurs langues, c'est bénéfique pour l'enfant. Donc, un enfant bilingue ou multilingue aura une meilleure flexibilité par rapport à un enfant normal. Normal, entre guillemets. Maintenant, on va passer à la troisième partie de la vidéo. Donc, pour conclure, donc c'est le résumé. Je vais vous lister les plusieurs points principaux de la vidéo à cette question-là. Premièrement, on développe les facultés cognitives de son cerveau. Apprendre une langue permet d'améliorer des capacités cognitives. En effet, les personnes multilingues ont de meilleurs résultats aux tests verbaux et non verbaux, ont une meilleure capacité de communication et arrivent à résoudre des problèmes plus facilement. Et cela est dû à la création de nouvelles neurones. On fait plus travailler le cerveau et naturellement, il est plus productif. Deuxième point. On retarde les effets d'Alzheimer. L'apprentissage des langues permet de ralentir le déclin cognitif lié à l'âge. Troisième point, on a une meilleure concentration. On est meilleur en multitâche, c'est un fait dû à une meilleure flexibilité de neurones. Et enfin, on apprend plus vite des nouvelles langues. On est arrivé à la fin de la vidéo, dis-moi ce que tu en penses. À propos de ce sujet, est-ce que tu connaissais tous ces avantages ou pas? Personnellement, j'ai appris plein de choses, notamment dans le cadre du vieillissement. Je ne savais pas que ça pouvait avoir un impact là-dessus, que ça pouvait ralentir par exemple la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Et puis, partage-moi dans les commentaires quel est ton avis. Et puis, est-ce que tu aimes apprendre des langues ou bien si tu es en train d'apprendre ou si tu vas apprendre. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à la partager et à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Bientôt, on va attendre les 5 abonnés. Donc, abonne-toi, mets un like, partage. Et je t'attends pour la prochaine vidéo. Salut, à plus !